Bonjour, ici Antoine Bertrand. Vous êtes sur le tapis rose de Catherine. L'homme le plus fort du monde! Comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est la grande première médiatique du film Louis Cyr, réalisé par Daniel Roby et incarné par Antoine Bertrand. Aujourd'hui, on vous le démystifie sur le tapis rose de Catherine. Daniel, est-ce que Louis Cyr, c'est le croisement de Samson, Rocky et Maurice Richard? T'es pas loin. T'as une bonne analyse. T'as comme un héros québécois qui a déjà existé, mais c'est comme un super-héros qui a brisé des records, mais pour vrai. T'es-tu venu regarder dans mon texte? Parce que c'est exactement les mêmes notes que j'ai pris. Avoue que je suis pas pire. Hein? T'es pas pire. Puis j'ai même rajouté un petit peu de fardoche dessus parce que tous mes personnages ont un petit peu de fardoche. Louis Cyr. J'en doute pas. Jusqu'à où on traîne la romance et on l'intègre dans le récit? Moi, personnellement, je trouve pas qu'on a romancé. Je trouve qu'on a synthétisé. Mais on est obligé d'occulter certaines affaires. Tu sais, Louis Cyr avait été policier à Sainte-Cunégonde, qui est Saint-Henri. Il a porté un veau sur ses épaules. Oui, quand il était jeune. Oui. Quand il était tout petit, il faisait déjà des tours de force. Je veux dire, on pouvait pas tout mettre. Sinon, on aurait fait une télésérie. D'habitude, moi, je déconne. Puis, tu sais, tu m'as vu sur des plateaux. C'est tout le temps pour entertainer. Là, je pouvais pas faire ça. Il fallait vraiment que je me concentre pour avoir encore de l'énergie quand c'était le temps à la fin de la journée, puis pouvoir recommencer à chaque jour ces journées qui étaient colossales. Rosemaïté, il y avait Louis Cyr qui était l'homme fort de sa génération, mais il y a aussi eu Mélina qui était la femme forte derrière Louis Cyr. Oui, absolument. Mélina, qui est un personnage incroyable pour l'époque, une femme tellement moderne, qui l'a suivie partout dans ses tournées, qui a fait des numéros de cirque avec lui. C'était vraiment une femme pas banale. On parle de 1890. Louis Cyr a intégré sa femme avec un fameux numéro de l'échelle qu'on a fait dans le film, qu'on a reproduit, qu'on a copié sur des photos qu'on avait trouvées. Donc, elle avait les costumes de scène, tout ça. Elle a participé au cirque, elle a participé à ses nombreuses tournées, puis tout le kit. Donc, elle était très, très aventurière. Puis moi, je trouvais que les deux personnages, leur goût de l'aventure était probablement leur point en commun. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a déduit de tout ce qu'on a pu lire. Rosemaïté, on se connaissait depuis longtemps quand même. J'étais bien content quand finalement c'est elle qui a décroché le rôle parce que c'est quelqu'un d'une extrême gentillesse, d'une extrême douceur aussi et qui s'est transformée elle aussi pour le rôle parce que ce petit côté, tu sais, le petit œil pétillant puis frondeur puis même femme forte, tu sais. Quand tu connais Rosemaïté, elle n'est que douceur. Fait que, elle aussi, elle a composé quelque chose d'extraordinaire. La chimie était super bonne, puis en même temps, aucune ambiguïté. Tu sais, des fois, là, les acteurs tombent en amour, là, mais là, ce n'était que du respect, que de l'amitié, puis du bonheur de travailler avec elle. Louis Cyr, le film de Daniel Roby avec Antoine Bertrand, prend l'affiche le 12 juillet. Bon cinéma. Non, il y a une préparation du contenant. Il y a une préparation du contenu qui se passe dans... Bonjour, Mme Arel. Quand même. Le gratin est ici.